Attends, du coup, il m'a déclaré bomber crew ou pas? Ouais, c'est bizarre. Je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Tali-la-li-lou-lou. Attends, je refais un bomber. Alors, je tweak. Alors, tac. Ouais, je veux bien le mettre en mode fenêtre. Ah merde. Parce que ça m'aurait permis de jongler avec le. Comment ça s'appelle? Ah merde, il y a des touches à personnaliser. Oh la vache. Oula, attendez. Attendez, il y a des touches à personnaliser là. Ça m'a l'air pas mal. Ah, ça peut se faire joystick aussi. Oh la vache. J'ai dans ma bibliothèque de jeux PC récupéré Fallout Underground basé sur le Royaume-Uni. Ouais, oui, non, mais c'est bien. Ah merde, ça fait un écran dégueulasse. J'ai pas tout sur les côtés. Ah, je commence à regretter mon choix d'avoir dit fenêtré. Oui, alors en français, oui, je veux bien. Non mais pardon, attendez, c'est débile. Je regrette mon choix d'avoir dit fenêtré. Je pensais que le rendu allait être meilleur et que j'allais avoir de la souplesse à interagir avec le chat, mais finalement, je vais demander en écran complet là parce que prout. Qualité graphique, on va mettre. Bon, par défaut, on verra. On verra si ça rame ou pas. Oui, donc le Fallout Underground, si je dis pas de bêtises, c'est un Fallout bizarre qui se passe en vue verticale. Je m'y étais frotté un peu il y a longtemps et autant j'adore l'univers Fallout, autant là j'avais difficilement accroché. Alors là, je sais même pas à quoi je vais jouer. C'est l'inconnu total, hein. Oh vache. Ok. C'est là le chat au tir sur cible en de voler dans le viseur de l'ennemi. Attaquer et exploser ses cibles. Alors ouais, du gâteau. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà, oh je dézoome, je rezoome, je. Oh mon dieu! L'intérieur du bombardier. Demain, courir avec coup de en arrière, chercher les dangers ici. Là, nous avons des dangers. Maintenez le coup pour déplacer la caméra. Oh! C'est quoi, c'est des copains ça? Oh là là, c'est trop dynamique. D'accord. Appuyez sur espace pour activer le marquage. Mode marquage pointé, les sites d'entraînement jaune pour les marquer. D'accord. Salopard. Ça bouge. Bah alors. Mais il fait grève le mitrailleur ou c'est hors de son angle de tir?
Ah merde, j'en ai un autre en dessous, j'avais pas vu. J'ai un effet bullet time à la Matrix. Appuyez sur espace. Comme ça? Ah d'accord. C'est bizarre comme jeu. Le son des rapports n'est pas la présence de chasseurs ennemis dans la zone contre la base de l'île. On arrivera à position des ennemis à proximité, gardez un œil sur lui. Ça y est, j'ai la guerre. Non, on suit tout en face. Alors, sélectionnez votre pilot. Sortir le train d'atterrissage. Ah oui, je suis stylé. Bon bah voilà, il va atterrir peinard. Alors attends, elle est où la piste? C'est un billet.
village, ça. Oh là, c'est quoi ce braquage? On a un petit peu morflé, je crois. Ouais, on va refaire la peinture. C'était Bomber Crow. Ouf. Ah, en livre sterling. Jeu anglais. Revenu et réparé. Oh yeah. C'était cool ça comme bonus. Non, ça va pas. Oui, ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. 9 chasseurs détruits, 637 miles. Mais non, c'est vraiment les références anglaises. Recruter équipement de l'équipage. Oh la vache. Salut les soldats. Alors qui fait quoi en fait? Lui c'est le pilote. D'accord. Il y a de ces paramètres. Oui, collecteur d'insectes, génial. Entraîneur de tennis. Ah, mécanicien amateur. Pêcheur à la mouche amateur. Ok. Oh là 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 là, ça va chercher loin. Plus hivernal. Ah, ça joue sur le... Oh là là. Équipé pour tous. Allez, joue. On a un pull rouge. Il est bizarre ce jeu. Non, j'ai pas les points qu'il faut. Gilet, gants. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Et le recrutement, c'est quoi? Avec le point d'exclamation? Ah oui, le poste de recrutement de l'armée. J'ai plein de civils. Ah, on n'a pas de mécano, effectivement, dans le... si je comprends l'interface. Alors, Stephen Reilly, étudiant en physique. Waouh. Lui, c'est agent de police. Attends, un agent de police veut devenir mécano dans l'armée? Oh la vache. Bruce, ouvrier d'usine. Waouh. Attends, pourquoi certains ont de l'armure et pas d'autres? Ah, parce que lui, il vient avec son uniforme de... survie, il est doué le mec. Eh, le policier il est doué. Lui il est nul en tout. C'est sa chance, faut qu'il fasse l'armée. Recrutons. Ah, il nous manque quelqu'un dans le poste de... je sais pas quoi. Rameur olympique. Ah, qui revient de Paris visiblement. Professeur de physique. Oula. L'idée d'avoir une nageuse professionnelle, écoute. Ouais, je veux bien recruter. Ah, alors les bombardiers. Spéléologue. C'est délirant. Chef scout. Passionné de microscopie. Alors je vois pas le lien entre la... bon bref. Allez, je vais recruter le chef scout. Votre équipage est plein, il n'y a personne à recruter. Bon bah c'est bien. L'équipage est complet. Oui, il va me dire que les petits nouveaux sont à poil, c'est ça?
Oui, les nouveaux sont à poil. Il faut que je rachète des. Alors attends, comment je dis que je veux fringuer tout le monde? Comment ça, le Royal? Non, c'était ça. Voilà, équipé pour tous. Voilà, allez-y. Et là, normalement, tout le monde est à l'unisson. Par contre, c'est pas intuitif de revenir en arrière. Non, pas ça. Bye. Alors, je suis obligé de provoquer le recrutement pour revenir à l'écran principal de l'équipage. Et là, normalement, tout le monde a le pull rouge. Voilà. Ce jeu est vraiment bizarre, mais pourquoi pas. Ah, je peux entretenir l'aéronef. Ah, j'ai rien en matos de survie. Ah bah ça craint. Pigeon. Comment ça, pigeon? Quoi? Ah, c'est un nom de code pour du matos. D'accord. Que je ne peux pas avoir pour le moment. Je présume qu'il faille faire des missions hors tuto, des vraies missions. Alors. Oh, ça va chercher loin. Ça va chercher loin. Oh là 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 là. Pas installé. Ouais. Ah. J'ai un extincteur, d'accord. Et là j'ai une trousse de soins. Et ça c'est quoi? Bah autant que je l'achète, oui. Oui c'est parachute pour... ouais si j'ai trop. Ouais j'ai pas assez mais... ouais d'accord. Oh la vache. Oh non, vous gérez le bombardier, c'est un truc de fou. Épice pour ses couilles, pardon. Non, camouflage classique. Attends, briefing. Ah, mission. Ah, oh, mais bon, là, j'ai pas le choix, là. Entraînement au bombardement. Début de mission. Voyons voir comment vous gérez l'entraînement au bombardement. Vous voulez une précision extrême. C'est reparti, Olivier. Nous avons mis en place une cible active pour l'entraînement au bombardement. Votre navigateur va tracer un trajet menant à la cible. Le navigateur va. Bah, il est là, le pilote, non? Ah non, c'est celui qui bombarde. D'accord. Ordonnez au pilote de décoller pour commencer la mission. Décollage. Altitude basse de là. Oh mon dieu! Oh là là, ça va chercher loin. Non, je ne veux pas. Je ne veux rien. Pourquoi la caméra elle est pas libre? Ah, pardon. Je l'ai tué le pilote. Entrez le train d'atterrissage. Ah oui, s'il vous plaît. C'est la merde, j'ai pas le temps de lire. Ah là peut-être. Surtout prenez votre temps les gars. Vous êtes un sauveur de votre poste, vous pouvez être dans ce moment juste sous la tourelle frontale. Sous la tourelle frontale. Ah là! C'est un village! Alors, marquez la cible de bombe pour voler au-dessus d'elle. Ne la détruisez pas à la première tentative. Oh putain.
Oh la vache. Donc marquez la cible de la bombe pour lever au-dessus d'elle. Si vous ne la détruisez pas à votre première tentative, marquez la nous pour essayer de la bombarder. Alors je crois que... Oh la vache, la position du mec pour bombarder. Mais je veux bien, mais j'ai l'impression qu'on est très très loin de la cible. Marquer la cible de la bombe volée au-dessus d'elle. Marquer la cible de la bombe. Voilà, on peut prendre une photo. C'est sacrément technique ce jeu. Ah. Ah ah ah. Utilisez la vue du lanceur de bombe pour voir quand vous serez sur la... Oh d'accord. Ah, il reste la moitié du carburant. Attention, on arrive au-dessus de la zone à... Ah, ça va être peu, je crois que ça va être maintenant. Maintenant. Pudding. Ah ouais, il y a quand même une bonne surface bombardée. Ça déconne zéro. Où est-ce qu'on voit le carburant qui nous reste? Parce que le gars il a dit rester à la moitié du carburant, mais elle est où la jauge? Faut demander au pilote. Ah, verrouillé pour tutoriel, merde, je saurais pas. On est vraiment en automatique. Ah, c'est ça. Oh. Ouais, ça peut... On va dire que j'essaie de prendre en photo lui. Photo. Ouais, bah, disons, c'était des sous-marins ennemis. C'était fort. La merde! Je voulais vérifier mes jauges audio, pardon. Attendez. Je pense que c'est reposant pour nous tous quand c'est. D'ailleurs, je vous cache pas que je me suis surpris que vous ne m'ayez rien dit dans le chat. Avouez-le, vous êtes tous endormis. Voilà. Système hydraulique est en panne, doit être réparé pour que le... Oh. Il me simule une avarie, les Nalo.
Bon, le mécano. Ah, ah bah oui, le mécano, c'est plus rapide. Ah oui, d'accord, il va mettre 3 ans pour... C'est gozeux. Ah, c'est la piste. Alors, on a repéré la piste, mais on n'a pas de train d'atterrissage. On fait comment, chef? Pam, 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 pam. Allez, go. Oula, l'essence commence à manquer. Il faut que je me manie les fesses. En fait, j'ai anticipé les instructions du tuto, donc ça va, j'apprends. Voilà comment qui braque avec le bombardier, lui. Alors, en vrai, ce genre de manœuvre est impossible. L'aéronef aurait largement décroché. Il se serait écrasé comme un caca en vrille au sol. Bah dis donc. C'est quoi, c'est leur expérience ou c'est leur fatigue, la jauge en mauve? Oh, les corbeaux! Oh. J'ai de la tunasse! On va acheter la survie, là. Ah non, merde, c'est pas ça. Oui, le matos. Ça, et à l'avant, ouais, je veux bien en acheter aussi. Au moins, vous aurez des parachutes. Waouh. Oh, y a de ces trucs. C'est bon, je suis sorti du tuto. Alors, je sais pas si vous le voyez à cause de mon habillage de chaîne, mais tout en haut, j'ai une barre de progression de carrière. Et sur 8 trucs, j'ai rempli presque le premier. Oui, d'accord. Un encourage au pilote Spitfire à combattre au-dessus du canal et se cracher de la flotte, localiser le pauvre gars, larguer le matos de survie, assurer sa sécurité, jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Oh la vache. Bon, on va essayer. C'est parti! Allez, joue! Alerte équipage! On décolle. Monsieur le pilote, décollez, s'il vous plaît. Oui, ça va être bas, forcément, puisque... Ah, attends, il a marqué déjà une nouvelle trajectoire. Où ça? D'accord. Oh, merde! J'ai un dysfonctionnement.
Alors, les provisions doivent être larguées à basse altitude. La caisse a un parachute. Elle arrivera. Elle dérivera si elle est larguée trop haut. Ok. Prout. Le train d'atterrissage. Oh, c'est chiant. Il alimente le train d'atterrissage, les tourelles et se demande d'envoyer quelqu'un pour le réparer. Allez, chou. Voilà, le train d'atterrissage qui est rentré. Bon, qu'est-ce qu'on fait, chef? La 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 la. Une version spéciale. Tu m'intrigues, Vincent. Oh, on s'éloigne de la côte. N'oubliez pas de remettre les membres de l'équipage à leur poste une fois qu'ils ont terminé une tâche. Bah, écoute. Le mécano, il était où le mécano? Ah, mais ce zoom de Prout. Eh ben, il va au bombardier. Allez hop. Comment ça, nouveau parcours? Comment ça, ça se passe là? Ah, on a une photo là-bas à faire. Attends. Bah, ça a disparu, bordel. Mais vous êtes fous. Alors, n'oubliez pas de larguer les provisions à basse altitude. Mais on est à basse altitude. Je peux demander au pilote, on est en bas. Là, on fait presque du rasmote. Ah, il y a quelque chose là. Les membres de votre équipage ont échangé leur poste. Est-ce que c'est possible d'assurer que les membres ont la bonne rôle formée, ouais. Certaines missions, des opportunités de. Oh mon dieu! Merde. Non, non, c'est pas le pilote, c'est. Ah! Attends. Oh merde! On a des soucis. Beach la guerre! Salopard, il y en a un que j'ai pas repéré. Le largage, c'est là. Mais heureusement que vous tirez bien. Allez, zou, on fonce sur le. Attention! Ouverture des portes! On va larguer les moons! Les mitules! Attention! Dégage! Aïe. Ça pique. Alors, membre d'équipage cherchait des munitions dans la boîte à munitions, ils apportaient à la tourelle. Oui. Attends, il n'y a plus de largage à faire. Va chercher les munitions qui sont là. Ah. Notre bombardier ressemble de plus en plus à une patchwork. Alors, il est pas content, il peut plus tirer. Quoi? Ah oui, là. J'ai besoin d'une mise à jour de navigation. Attends, oh là là, le bordel. Oui, tu as raison. Allez, faut les patater les vilains. Quoi? Oh merde! Le pilote a quitté son poste! Reviens, vilain, reviens! Oh non, j'ai besoin d'un mécano pour l'électrique!
Mayday, mayday, on est dans la merde. J'ai des munitions, je retourne au poste. Ah bah certainement. Il y a des choses à réparer là, c'est le bordel. Alors le temps, lui n'a plus de mune. Abandonne rapidement la radio pour donner des munitions à Teloka. Teloka, Teloka. Il donne des munitions. Non mais c'est trop sensible. Il y a trop de trucs dans l'image là, parce que entre l'individu et le poste, l'autre elle a la girouette littéralement. Et regardez, je peux pas sélectionner. Donc on va mourir à cause d'une interface de CON. Non mais là c'est pas jouable, là c'est trop sophistiqué, c'est pas jouable. Mais merde, je peux pas sélectionner ton foot. Toi tu répares ça. Non, tu répares toi. Mais pourquoi je peux pas sélectionner la tourelle avec l'autre? Ah merde, c'est Bruce qui s'est réparé. Oh, c'est le bordel dans l'avion. Et puis attends, la navigation, je crois qu'on est perdu. On va plus avoir d'essence, on va s'écraser, ça va être génial. Ambiance Mad Max spatiale. Ah, une version spatiale. Spéciale, je comprenais plus. Donc, attends, les munes. Non mais c'est trop sensible, ça va pas. Non mais c'est pas jouable votre truc. Ça va chercher trop loin. Allez Hunter, tu feras des communications radio après. On est en silence radio, au moins je ne serai pas repéré. Vas-y, donne-lui des munes. Voilà. Merci. Alors, je sais plus où nous en sommes. Je crois que c'est à peu près correct. Alors le pilote, il fait quoi? C'est le bordel. Retourner à la base. Où est la base? Oh, ce clair de lune. Ah, il faut qu'on corrige la trajectoire. Hop là. Eh ben dis donc. Ouf, oui, hein, il est. Oh là là, on a failli perdre la queue arrière de l'appareil. Oh là là, on est. Oh là 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 là. Disons qu'on a la clim à bord. Bien malgré nous. Attention, va falloir sortir le toit d'atterrissage, monsieur le pilote. La 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 la. Comment ça on approche de Londres? Vous êtes sérieux vous? Attention, quand on verra la piste, on va sortir le train d'atterrissage. Déjà, mets-toi dans l'alignement. Train d'atterrissage sorti. Ouais, on va en atterrir. Quoi? Irlande, employé de zoo, enfermé, enclos, lion abandonné. Quelle horreur. Tiens d'ailleurs, il risque d'avoir un procès terrible dans les mois à venir. Il y avait une sportive dans un zoo qui s'est retrouvée dans l'enclos des loups. Elle s'en est sortie vivante mais très déchirée. C'est horrible. Elle doit avoir des souffrances atroces. Elle a été jetée au loup, la vilaine. Oh,
Oh, tu ne sèmes. Elle a rien loupé. Oh mon dieu. Oh, j'ai débrouillé plein de choses. Ah, extincteur à moteur, ça peut être pas mal. Je dois reconnaître que l'extincteur à moteur... Ah, je peux changer de fuselage. Ouais, l'extincteur à moteur, pas mal. Oh la vache. Fuselage au pif, ouais. J'ai un pif de bombardier plus dur. Et la queue qui avait pris cher, on va aussi la renforcer. Voilà. Au moins le bombardier est plus costaud. Non, je briefing. Allez, suite. J'en fais encore une et puis après je passe à un autre jeu. C'est sympa, mais pourquoi c'est bleu et là c'est vert? Alors ça par contre j'ai pas d'explication. Nos équipes de reconnaissance ont identifié une des usines de moteurs de l'ennemi en Belgique. Allons la réduire en poussière. Début de la mission. On va bombarder ton lieu de vacances, Dragon de Lorraine. On va bombarder la Belgique. Une fouée. Allez, pilote, décollage! Repère de navigation. C'est là-bas, la Belgique. Allez, Zou, t'as décollé. On rentre le train d'atterrissage. C'est comme ça qu'on fait. Ah ouais. La 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 la. Para para pa 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 pa. Il va falloir détruire l'usine. Ouais. À mon avis, on n'aura pas beaucoup de missions bombardiers, il faudra être en haute altitude. Au changement de rapport de coq, un pilote ennemi, Felix Fader, est actif dans la zone. Et ben Felix Fader, il va vite être abattu. Oh merde, faut aller par là-bas. Et la Belgique, nous voilà, on arrive. Bon, faut d'abord traverser la Manche. On est chez nous, au Royaume-Uni. Je rappelle que ce jeu est en anglais. Alors, la Belgique. La Belgique. Quoi, chasseurs ennemis? Oh la vache. Si tu as pas de bras, tu n'as pas de manche. C'est la guerre. Ouais. Allez les gars. Aïe, 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 on commence à se prendre des balles. Va faire bombardier, s'il te plaît. Ouvrir la soute. Tout sélectionné. Attention, largage. Aïe. La 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 la. Oh la vache. Ah, moteur en feu, vite. Riposter, changer de cap, on va réparer ensuite. Allez, tiens bon le coucou, il est où le mécano? Alors, répare-moi ça. Merde, quelqu'un manque de munitions. À la radio, on va chercher l'immune. Ah.
Nous sommes au-delà de Bridge. Canon, faut que tu répares ça, vas-y. Il y a plusieurs avaries à bord, ça va pas. Prends les munitions, toi, vite. Donne des mules. Ils sont où les vilains? Dis-moi ça. Oh! Faut riposter, vite tirer les gars, il faut les chausser. Ah. Alarme, on pète le feu, on pète le feu un peu trop. Allez Bruce, vite. Allez Bruce, oh merde, y'en a un qui est mort. Ah. Attends, comment je pourrais réparer le reste? Est-ce que tu peux l'aider? Non, on n'a pas, ah, si attends. Il y a une trousse de soins, il s'est pris une balle dans la gueule. Non, va le transporter. Ordonne à quelqu'un de prendre la trousse de soins, puis ramener le monde d'équipage avant la fin du temps parti. Mais Bruce, que fais-tu? Attends. Ça, c'est la trousse de soins, on est d'accord. Mais attends, je comprends pas. Alors là, je comprends pas tout. C'est pas clair! Bon, lui il va réparer. Attends, de qui j'ai pas besoin? Le radio il peut. Ah, il peut faire ça, comme ça, d'accord. Ah, voilà! C'était ça la trousse de soins. En fait, moi j'allais sur le lit de soins à bord de l'aéronef. Ce qui est pas pareil. Allez vite, faut lui chauffer la peau! T'es loca, il y a un excellent membre d'équipage. Messieurs ont été soignés. Va faire dodo dans le lit d'hôpital, toi. Hunter, prends la place de... Voilà. Le mécano. Voilà, répare tout ce que tu peux. Oh punaise, on a eu chaud. Comment ça, il n'y a plus d'essence? Ne me dis pas que les réservoirs ont été transpercés. Alors attends, il faut qu'on aille là-bas. Pff, on n'est pas du tout dans le mocap, tout va bien. Ah. Quoi? Ah, parce que d'accord, il s'accroche en plein vol. Putain, le mec il est fou. Ce mec a dû être cascadeur dans une autre vie. Allez, hop, cherche. Ouais. T'es le meilleur. Bruce répare le moteur autant que possible. Attends. Upchurch, rentre dans l'avion. Bruce, essaye de réparer. Je sais pas quoi. Bah, y a plus rien à réparer, non? Je ne comprends plus. Pourquoi ça clignote rouge là? C'est quoi? Alors attends. Ouais, retourne à la radio, Upchurch. Teloka. Prends la toile avant. Et Bruce, essaie de donner des munes. Des munes. Oh, il y a encore un nouveau parcours. Oh la vache. Non, mais là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Repérage, la base est là-bas, on va y aller. Oh la vache, j'avais pas vu sur la droite le symbole de mon avion pataté. Le bombardier a pris cher. Eh ben j'ai bien fait de renforcer la carlingue à l'avant et à l'arrière, dis donc. Allez, faut atterrir les gars. Alors il est dans le mal. Il va aller faire dodo parce qu'on n'a plus de menace, on est chez nous. Bruce, tu prends le relais à l'arrière, on sait jamais. Papa. Alors, que faisons-nous? Ah,
Nous allons atterrir. Pilote, sort le train d'atterrissage. Ah! C'est bon, il n'y a pas de dysfonctionnement. Ouf. Bon, c'est bien. Pendant que il récupère sur le fauteuil de soins. Ah! Mais cette piquée, il m'a fait peur le pilote. C'est comme ça qu'on fait. Eh ben dis donc. Bon ben, cool. Très original, franchement. Résultat de la mission. L'usine de moteur de Z-Bridge a été pulvérisée et Felix Feder s'est échappé. Revenu et réparé. On se retrouvera, Felix Feder. Ils sont tous revenus. Oh putain! Ah d'accord, c'est l'expérience, la jauge en mauve. Boost, EMG, plongée. Effectuer une plongée d'urgence pour atteindre un incendie, moteur atteindre une basse altitude rapidement. Oh la vache. Offre un boost à vitesse suffisante, un mélange de carburant plus concentré. Oh là là. Nouveau déverrouillage. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Eh ben dis donc, c'est impressionnant. Et je suis toujours au niveau de la progression de la campagne à la jauge 1 sur 8. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. Quitter vers menu principal. Oui, sauvegarder et quitter. C'était sympa. Oh punaise. Oh punaise. C'est rigolo. Merci de la découverte, Twinchen. Ouf. Mais attendez, je commence à me poser des questions parce que il y a petit Seb qui était enthousiaste à l'idée est-ce qu'on fasse un truc en commun ce matin et il donne plus signe de vie. J'espère qu'il va bien. Il est connecté, il est quoi? Ah non, il est pas connecté. Bon, bah j'espère que ça va bien pour petit Seb. Ça me surprend. Ou alors il a renoncé, je sais pas. C'est petit Seb. C'est petit Seb. Attendez, je vous mets un peu de la musique de fond pendant que je choisis mon jeu suivant. Alors, oubliez 11h, oui, dans 2h, il y a l'épisode commenté. Est-ce que j'ai géré... Non, j'ai pas géré l'enregistrement. Attendez.